j'ai oublié de changer le lit. Carlina ? Oui, mon amour ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, dis-moi d'abord la bonne, s'il te plaît. La bonne, c'est qu'ils m'ont payé et qu'on va enfin pouvoir acheter le grand radiateur que t'as vu. C'est formidable, ça, mon amour. Et la mauvaise ? La mauvaise, c'est qu'avec le reste de cet argent, on pourra ni acheter de mixeur ni de hachoir. Parce que je dois envoyer l'argent à ma mère à Carthagène, tu comprends ? Mon amour, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Tu sais que je te soutiens. L'argent qu'on garde pour sa famille est bien gagné. Ça, c'est bien dit, mon amour. Bien dit. Bon, mon amour, tu as vu comme c'est bien d'avoir un contrat. Maintenant, on doit remercier ton père pour avoir géré toute cette histoire avec Mercado. Tu veux remercier Manuel ? Écoute, s'il est ressorti sans contrat ni rien du tout, c'est parce qu'il a tout inventé. Il est ressorti sans rien. Ah bon, tu es sûr, mon amour ? Pourtant, il est venu ici avec tellement de livres et il m'a dit que c'était pour l'aider avec le contrat. Écoute, Manuel ne vient pas voir les combats, d'accord ? Quand je l'invite, il me dit un coup oui, un coup non, que Mercado lui avait donné rendez-vous mais qu'il ne vient pas. Non, Manuel est un vrai menteur, Carlina. C'est mon père, mais crois-moi, il est bon à rien. Mon amour, je le croirai à ta place, tu sais. Ton père s'est vraiment impliqué avec ce contrat. Écoute, personne ne s'amuse à acheter des livres et à écrire un contrat pour partir comme un voleur. Je pense qu'il est sérieux avec ça. Mon amour, est-ce que ça va ? Je t'ai blessé ? Oui, je crois. Mais je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Tu vois, le plus important quand on fait des gâteaux, c'est de bien assaisonner la pâte. De bien mettre le sel, de bien tout assaisonner, tu vois. Maman, qui c'est qui t'a appris à faire des gâteaux ? Ah, ma fille, c'est la vie. C'est la vie qui assaisonne autant que les gâteaux. À la pointe de la bougie. Maman ! Roulia ! Devinez quoi ? Quoi ? Antonio a appelé. Il a dit quoi ? Il a dit qu'il avait gagné de l'argent et qu'il allait l'envoyer à la maison. Oh. Et que c'est spécialement pour t'acheter tes médicaments, maman. Je sais pas pourquoi on dépense autant d'argent dans ces bêtises. Comment ça, maman ? Hein ? Est-ce que tu t'es regardée ? T'as vu à quel point tu vas mieux ? Qu'est-ce qui va pas, maman ? Ça te rend pas heureuse ? Non, mais si, je suis contente, mais en fait... Tu vois, il y a quelques temps, j'ai dit à Antonio qu'il devrait penser à sa famille, etc. Mais pas comme ça. Non, pas avec ses poings. De combat en combat, je n'aime pas ça. Mais il le fait avec amour, c'est ça le plus important. Et même qu'il a dit qu'il voulait réunir toute la famille, même Edgardo, maman. Edgardo, comment ça ? À ton avis, pourquoi d'autre ? Pour prendre soin de nous tous. Il veut qu'on soit tous ensemble à Carthagène. Je sais qu'il va nous aider. Ah non. Non, pas ça, non. On va pas devenir des fardeaux pour lui. Maman, non. Mais quand est-ce qu'on a été des fardeaux pour Antonio ? Il me l'a dit lui-même, qu'il était content d'aider. Surtout de t'aider, toi. Écoute, tu sais ce qu'il m'a dit ? Qu'on devrait trouver une grande gazinière pour qu'il l'achète quand il reviendra. Une grande ? Oui. Et avec le fourneau pour le ragoût et tout ? Oui. Oh. Tu sais, c'est celles qui ont un très grand four. Mm-hmm. Il veut que la cuisine soit super jolie, maman, et toute neuve. Maman, on doit remercier Dieu pour tout ça, au lieu d'être triste. Allez, souris. Bonjour, Norman. Bonjour. Tout va bien ? Ah, tant mieux. Voilà, Norman, j'aurais une petite faveur à te demander. En fait, on m'a demandé des équipements pour une transmission conjointe entre la radio et la télé, et je ne sais pas ce qu'il faut. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Tu devrais le savoir, non ? C'est ton travail. Norman, mais je viens à peine d'être embauchée, je me souviens de rien. Allez, s'il te plaît. Hein ? Alors tu peux m'aider, s'il te plaît ? Oui ? Oui ? Tiens, c'est la liste des équipements. Va au département technique avec ça et ils sauront quoi faire. C'est tout ? C'est aussi simple ? Merci, Norman. Mouah ! Bonjour, Norman. Bonjour. Bonjour, Célina. Comment tu vas ? Jusqu'à quand tu vas m'ignorer ? Je n'ai pas changé, même s'ils m'ont promu. Et ça vaut aussi pour toi, Norman, d'accord ? Je refuse d'être traité méchamment alors que moi, je ne vous fais pas de mal. Avoir affaire à une femme qui fait des choses indécentes pour obtenir ce qu'elle veut, ça ne m'intéresse pas. Non. Baisse un peu d'un ton, Célina. Parce que ce n'est pas vrai.
Le seul ici qui est indécent, c'est ton copain Farid. Pourquoi tu ne vas pas lui demander ce qu'il s'est passé avant de me juger? Mais je sais déjà tout. Ce que je sais, c'est que tu es capable d'aller séduire les hommes et après de faire ta victime. Mais tu sais quoi? Ton petit jeu du loup qui se fait passer pour une brebis, là, ça ne marche pas avec moi. Norman, t'as trouvé ce que je voulais? Oui. Merci. Célina. Pardon. On va te voir. Célina! Devine qui le comité a nommé pour diriger le journal? Franchement, ça me dépasse à quel point tu peux avoir du culot. Eh, t'es sérieuse, Delia? C'est toi la culottée? T'as oublié que tu m'as aidée? Parce que tu t'es bien fichue de moi. Je ne savais pas que tu t'en servirais pour raconter que c'était ton idée. Je trouve ça horrible et malhonnête, Alvaro. Viens voir un peu. Il date de quand, ton nouveau sens moral? Dis-moi, tu es amoureuse de ce Colombien? Non. Ne sois pas ridicule, mais je pense qu'il faut avoir un minimum de décence. Il n'a rien dit pendant la réunion parce que ça m'aurait fait du mal et ça me fait culpabiliser. Hé, Delia, tu te calmes et tu te reprends. Parce que sinon, tu peux aller te faire voir. Je ne suis pas encore prête à affronter Cristobal. Et lui, il ne va plus me faire confiance. Tu n'as plus besoin de moi pour l'instant. Tu as totalement raison. Alvaro! Tu as raison. Alvaro! Tu vas retravailler avec moi. Parce que tu me manques, tu sais. Tu me manques. Voilà. Je t'ai ramené chez toi, saine et sauve, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Non. Non, pas toi. Mais le reste de la boîte, oui. J'en ai plus que marre qu'ils insinuent que j'ai eu le poste juste parce que j'ai couché avec toi. Ah bon? C'était quand? Je me souviens pas. Je plaisante, hein? Je trouve pas ça drôle. Eh bien, il va falloir que tu t'y fasses. Parce que sinon, tu vas devenir folle. On sait tous les deux que ta promotion n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. C'est simplement une opportunité que je te donne et dont toi, tu profites parce que tu fais du très bon travail. Merci de me le rappeler. En vrai, je comprends pas pourquoi ça me touche autant, ce que disent les gens. Écoute, sois plutôt touchée par ce que je te dis. Tu fais du très bon travail. Fais en sorte d'être respectée. Parce que sinon, je te mets à la porte. Oh. Tu serais capable de me virer? Oui. Mais tout d'abord, je dois être capable de t'aimer. Hey, et si on allait voir le combat de Friso, hein? Mais je sais pas où c'est, mais j'aimerais bien qu'on y aille ensemble. Merde, vous avez vu Manuel? Manuel? Non, du tout. Tu sais, c'est une bonne idée, celle de Chispeao. Bien sûr. On va y aller tous ensemble. Ah ouais? Je vous inviterai bien chez moi, mais Carlina est une vraie furie avec le bébé et tout. Si vous venez, elle va vous manger tout cru. Mais on y va et tu payes un truc, ok? C'est pas vrai, champion. Toi, achète un truc. Allez, dépêche-toi. Carlotta, tu sais bien que je peux pas aller plus vite, encore moins maintenant que j'ai un gros ventre. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Je n'ai pas pu te le dire avant parce qu'on était devant Jérôme. Mais la Signora Leonara va nous prendre, tu te rends compte? Vraiment? Oui. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Elle avait du mal à parler et elle m'a dit que c'était urgent et qu'elle avait besoin d'aide. Urgent? Oui, qu'on devait venir la voir le plus tôt possible. Il s'est passé quelque chose parce que je sais qu'elle vit seule. Non. Non, elle n'avait pas l'air malade, ni rien. En plus, s'il était arrivé quelque chose, elle aurait appelé les secours ou la police, tu ne crois pas? Oui, c'est pas faux. On verra bien de quoi elle a besoin, non? Ouais. On va marcher vite. Donne ta main. Allez. Vérifiez que tous les équipements soient là. Les composants audio, les applicateurs de son, les micros, les régulateurs et tout. Et prévoyez plus de micros à chef s'il y a un problème avec les câbles. Je ne veux aucune erreur pendant toute l'émission. Ne vous inquiétez pas. Merci. Je vois que tout est sous contrôle. En tout cas, j'essaie. Mais sans te mentir, j'ai du mal à apprendre le nom de tous les appareils.
Il devrait y avoir un glossaire pour que je puisse les apprendre. Je ne peux pas changer ça, mais je peux te donner autre chose. Quoi ? Te reproposer de venir à la réunion de ce soir. Pour venir voir le combat chez les associés de ton père ? Oui. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu m'as dit et finalement, moi non plus, je n'aime pas beaucoup la boxe. Alors pourquoi tu vas ? Parce que c'est une réunion d'affaires. Et je voudrais que tu viennes avec moi pour ne pas que je me sente seule à côté de tous ces vieux. Donc tu veux qu'on y aille tous les deux pour s'ennuyer ensemble ? Oui, et comme ça j'ai une excuse pour, si ça devient trop ennuyeux, te ramener chez toi. Je vois. Maximiliano, justement à propos de ça, je voulais te dire quelque chose. Je ne trouve pas ça prudent que tu continues à me ramener chez moi. Je ne veux pas encore plus de ragots au bureau. Aurora, ça me fait plaisir de prendre soin de toi et de te faire sentir bien. Et si le prix à payer, c'est que les gens en parlent, qu'ils en parlent. Toi et moi, on sait qu'on ne fait rien de mal. Alors on n'a vraiment aucune raison de se cacher. Et tu n'as pas non plus de raison de ne pas m'accompagner ce soir. Allez, viens avec moi. Dis oui. Oh, mes petites, heureusement que vous êtes là. Oh, Signora Leonora, vous nous avez fait courir en pensée qu'il s'était passé quelque chose. Il s'est passé tout et n'importe quoi. La bonne que j'avais depuis des jours est partie. Elle m'a laissée seule et abandonnée. Hein? Regardez, comment elle a laissé ça? S'il vous plaît, mes petites, aidez-moi. Ah oui, bien sûr, pourquoi madame. Pourquoi elle a démissionné? Ah bah, va savoir si elle s'est levée du pied gauche, si elle a fait un cauchemar. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie, elle m'a abandonnée. Et que j'ai besoin de l'une de vous deux pour rester ce soir avec moi. Une de nous deux? Oui. Ah non, Signora Leonora, je vous avais dit que si vous nous vouliez, vous deviez nous prendre toutes les deux. C'était ça, le deal. Oui, Signora Leonora, ce que dit Carlotta est vrai et... En plus, cette maison est trop grande pour une employée. Ah, celle qui est partie a dit la même chose. Et pourtant, elle arrivait à la garder propre. Ah, c'est pas vrai. Très bien, très bien. Je vais vous embaucher toutes les deux, voilà. Mais si je le fais, vous devez absolument commencer tout de suite. Parce que j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez pour la soirée de ce soir, les filles. C'est vraiment une histoire de fou que j'ai inventée. Et maintenant, je ne peux plus m'en dépêtrer. Et de quoi s'agit-il ? Écoutez, j'ai invité tout un tas de gens et je n'ai rien préparé, voilà. Allez, c'est bon, ne vous en faites pas, madame. Carlotta et moi, on est très doués pour faire à manger pour beaucoup de personnes et rapidement. Vraiment ? Oui. Dans ce cas-là, vous avez le job. Mais par contre, ne me faites pas regretter de vous avoir embauché. Ouais, j'en suis sûr. Ouais, tu l'as dit. Ouais. Alonso Frizzo. Comment tu vas ? Bonjour. Ah. Bonjour. Salut, ça va ? Bonjour. Comment ça se fait que je ne t'ai toujours pas interviewé alors que nous sommes amis ? Ils m'ont dit à l'hôtel que... ils ne voulaient pas qu'on fasse des interviews. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pensais te voir au Costa Rica. Ah, mon pote, oui. Oui, mais malheureusement, je ne peux pas venir. Question de boulot, tu On vois. On peut pas éviter ça ? Ouais, ben moi je vais éviter ça, excusez-moi. Ok. Hey, ça va bien au Venezuela ? Au Venezuela, oui, ça va. C'est le Venezuela, quoi. Et vous, comment ça va ? Vous vous amusez ? Monsieur Cristobal. Oui ? Le gamin doit rester seul, vous savez. Avant le match, tout seul. Sans distraction. Allez, venez vous asseoir. Ah, pas de distraction, bien sûr. Bon, j'espère que tu pourras me répondre sur le ring, alors. Hé, hey, Cristobal. C'est vrai, on s'amuse bien. En plus, je me sens mieux que jamais. Ah ouais ? Au fait, j'aime beaucoup cette stratégie que tu utilises. La stratégie de ce mec est bonne, hein ? Du type tranquille, posé, bien dans son temps. De toute façon, vous savez, la presse aime beaucoup Nicolas, pas vrai ? Ok, Cristobal. Mais c'est quoi le problème ? De quoi t'as besoin ? Dis-le-nous. Tu veux quoi ? Non, je veux ce que n'importe quel journaliste veut en Argentine, interviewer le prochain champion, c'est tout. Bonne journée. Bonne journée. Salut, à la prochaine. À plus tard, mon ami. Ah, ok. Pardon. Ah là là. Allez. Les gars. Allez, viens par là. Mets-toi là. Écoute, mon amour. Écoutez quoi, Carlina ? Alina, que tu changes de travail sans me le dire ? Et que t'as le cerveau complètement retourné ? Tout s'est passé très très vite. J'allais te le dire, mais tu dois gérer tellement de choses ces derniers temps.
Ah, donc maintenant c'est mon travail le problème. Mais non, ce n'est pas ça. Je voulais changer de travail et les choses se sont accélérées. Mon amour, sois pas fâché contre moi, ce travail est mieux. Comment ça, Carlina? Et c'est quoi ce travail avec la dame? Tu l'as eu comment? Figure-toi que Carlotta la connaissait. Elle lui a parlé de moi et comme c'était très urgent pour elle, on a commencé aujourd'hui. D'accord. Et à quelle heure tu rentres? Mon amour, je ne sais pas encore. Mais t'inquiète pas, je t'appellerai avec le téléphone de la voisine quand j'aurai fini. Ne t'en fais pas si je suis pas là, je serai chez Tabakito pour regarder le combat. Et peut-être me changer un peu les idées. D'accord, mon amour. Et tu vas supporter qui? Nicolas ou Alonso? Ah, Carlina, tu sais bien que Alonso est mon ami et tout, mais je veux ma revanche contre Nicolas. Alors c'est lui que je vais supporter. Bon, alors dans ce cas, je vais lui envoyer de la force, mon amour. Je vais devoir te laisser. Je dois aller travailler. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Il faut qu'on se trouve des uniformes. On ne peut pas recevoir des gens habillés comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Ah, merde. Hé, petit malin, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, j'attends juste un appel, c'est tout. Fais attention avec ça, on sait jamais. Non, parce que tu vois... Ah non, c'est juste que... Non, mais bon, c'est jamais. Je suis un mec bien, vous le savez. Très bien. Eh, je vais regarder le combat avec Tabakito chez moi ce soir, tu veux venir? Ouais, pourquoi pas. Super. Vous allez parier sur qui? Franchement, je vais te dire la vérité, on s'est mis d'accord sur Frizo. Frizo? Ouais. Non, je l'ai vu avec Rocher. Je vais m'arracher la peau à cause de ce clown, donc aujourd'hui, je suis pas argentin. Non, tu peux pas dire ça, mon frère. En plus, on s'est mis d'accord pour défendre le titre pour Frizo. Je lui ai déjà promis. Maintenant que tu sais ça, laisse-moi te montrer un truc. C'était là. Tiens, vas-y, assieds-toi. Ça, c'est le contrat qu'on a signé il y a quelques années. Regarde sa signature, là. Ici, c'est bouclé. Là. Hein? Pourtant, on m'a dit que vous n'aimiez pas les contrats. Non, je vais pas te mentir, ce contrat n'a vraiment aucune valeur. En fait, l'histoire, c'est que quand ce type est arrivé de l'étranger, on a signé ça, mais il ne sert à rien. Signer un contrat, c'est comme se lier à une petite amie, ça sert strictement à rien. Crois-moi. Et l'affaire avec le gringo? Non, le truc avec le gringo, c'est ce qui s'est passé, c'est que je l'ai libéré en échange de la défense du titre. C'est tout, c'est du business de gentleman. Et quand j'ai vu qu'il avait tapé dans l'œil de Ray, je me suis dit, il a un avenir. Il va défendre le titre, c'est ce que j'ai fait avec toi, tu comprends? Comme je te regarde maintenant. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes non, comme ça rien. Tu me regardes, je te regarde aussi, je vois bien qu'il y a quelque chose. Non, pour rien, pardon. Je vais te dire une chose. Dans cette histoire, je ne touche rien. Seulement la possibilité d'avoir la première défense du titre. Ouais. Aussi simple que ça. Ouais. Hein? Fais attention avec ça. Bon alors, tu viens chez moi ce soir ou pas? Ouais, bien sûr. Bon, je vais y aller. Ouais? Préviens-moi la prochaine fois, hein? Oui. Tu sais, pour ne pas oui, avoir... Pardon. Et ferme la porte. Salut. N'aie pas sûr, gamin, je vais te mettre le grappin dessus. J'ai fait ça en 73. Je vais te renvoyer l'ascenseur. Aujourd'hui, tu vas payer. Tu vas être perdu. Bonsoir. Désolée de t'avoir fait attendre autant. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Chaque seconde valait la peine d'attendre. Tu es... très belle. Merci. Si la réunion avec les associés de mon père n'était pas importante, je t'aurais emmené ailleurs. Ah oui? Et tu m'aurais emmené où? Dans un endroit où, à mes yeux, tu serais encore plus belle. Là où les gens seraient jaloux parce que je suis avec la plus belle femme du monde. En vrai, ça peut toujours arriver après. Mais pour l'instant, on devrait y aller, sinon on va être en retard pour le combat. Faites place à la beauté. Merci. Mesdames et messieurs, nous attendons pour le moment l'arrivée des deux boxeurs. Un moment compliqué selon moi, parce que je ne vois absolument rien d'impartial dans cet instant précis. Tout le monde soutient son champion, mais on dirait bien qu'il va se battre contre personne, et finalement si. Mon pote. Alonso Frizo, depuis Panama, est présent, messieurs Anto? Dames. Il va combattre. Oh, oui, Antonio. Il va combattre. Tu veux toujours que Roche gagne? Oh, Carlina, ça te va comme un gant. Regarde comme c'est joli, hein? Fais un tour pour voir. Oh, ce que tu es belle. Et comme ça, tu ressembles à un peu. Alors comme... les filles, tout est prêt? Ah oui, madame, on oui, ne peut madame. Plus prête. Dites-nous par quoi il faut commencer. D'abord, je tiens à vous dire que vous êtes très très jolie dans ces uniformes. Merci beaucoup, tu vois. Bon, venez avec moi, je vais vous présenter l'un de mes fils, il est déjà là. Ok, je vous rejoins, on je y va. Finis ça.
Je vais te présenter à Leandro. C'est le chouchou de cette maison. Alors, s'il te plaît, Carlotta, prends bien soin de lui. Comment ça va? Bien, merci beaucoup. Mère, tu t'es enfin décidée à engager 2 employés, c'est pas trop tôt, hein? C'est le minimum de personnes qu'il faut pour pouvoir s'occuper de ce château. Parfait. Elle est où, la seconde? Carlina. Ah, la voilà. Dis donc, maman, tu t'es décidée à employer du bon personnel, quelle beauté! Oh, les premiers invités arrivent. Nous, on va ouvrir la porte et toi, tu te charges de bien les accueillir, d'accord? Et n'oublie pas les petits fours. Oui, oui, moi, je vais aller tout de suite préparer l'antenne de télé pour qu'on regarde le combat. Entre Nicolas Roche et Alonso Frizzo? Oh, pas possible, ne me dis pas que tu t'y connais en boxe. Non, en fait, mon mari... Non, non, ne dis rien, pas un mot de plus. Je commençais à t'apprécier. Attends-moi, je reviens. Si tu veux, tu peux m'aider avec les invités, moi je vais préparer la télé. Je vous en prie, entrez, faites comme chez vous. Les boissons et les rafraîchissements sont servis. Je vais les chercher. Entrez, la télé est déjà opérationnelle ici, comme mais chez non, vous. Gonzalo, dis donc comment ça va? Bien. Merci de nous recevoir. Madame, comment allez-vous? Bienvenue merci. Chez moi, je vous en prie. Hé, hey, comment ça va? Merci de nous recevoir, c'est gentil ça. Et voici l'entrée du champion par le couloir de la gloire, la légende, l'intouchable Nicolas Roche, accueilli par son public qui crie à l'unisson de Nico, Nico, Nico. Un jour de plus sous la légende sans racines, l'intouchable entre sur le ring. Ce Roche entre toujours comme un taureau tabaco. Ce combat sensationnel de Welter Junior n'a pas encore connu de coup. Le Panaméen se sert d'une droite, mais le champion fait ce qu'il sait faire de mieux. Mesdames et messieurs, et le public répond. Regarde ça, Alonso part bien, mais comme d'habitude, ce Roche est intouchable, je te jure. C'est vraiment facile, Tabaco. Roche, en ring fermé, c'est facile. Oui. Attends, c'est pas ça, Frizzo n'a pas enchaîné les coups, là. Je te jure qu'il va enchaîner encore plus qu'avec Cervantes à Luna Park. Tu vas voir, je sais ce que je dis. Je pensais que je suis qui, moi? Ah, c'est super lourd, ça. Je vais le prendre. T'inquiète pas, je peux le faire. Non, madame, ne sois pas têtue. Tu n'arriveras jamais à le porter jusqu'à la table. Arrête de me traiter comme une invalide. Je suis enceinte, pas éclopée. Mon Dieu. Oh, mon Dieu! Regarde ce que t'as fait à ma robe! Pardon, madame, je suis désolée, je suis sortie rapidement de la cuisine, c'est pour ça. Mais comment je vais enlever ça, moi? Mais nettoie ma robe! Aurora. Pousse-toi. Pousse-toi, pousse-toi! Et maintenant, le Panaméen avec une frappe. Que le champion a bien senti. L'humanité souffre, mesdames et messieurs. Et ce round s'achève. Attention, la fin du combat. Ça va être très, très serré. Attention. Aïe. Une décision très...
très serré. Oui. On le sent dans l'air. On sent la nervosité. Les juges délibèrent. Nico, allez, Nicolas. Il semblerait qu'ils vont reprendre le décompte. Maintenant, mesdames et messieurs, les juges s'approchent. On dirait qu'une décision a été prise, oui. Pour ce combat si serré, est le champion du combat pour le titre Welter Junior, 140 livres, est... Alonso Pimienta Frito, c'est pas vrai, peuple de Panama. Non mais est-ce que vous pouvez croire ça? Champion, je te l'avais dit, bordel. Si j'avais parié sur le Panaméen, je me serais fait un gros billet, pas vrai? Allez, faut célébrer ça, messieurs. Une décision qui fait polémique, il faut le dire, une décision qu'il va falloir faire approuver. Le champion, mais mon frère, de toute façon... Toi, t'es tranquille. Et rappelle-toi, ici et ici, là et là. En plus, je vais vous dire un truc à tous. Dès que je m'en rappellerai, je vous le dirai. C'est pas vrai, je vais vous dire, moi. Les affaires, ou plutôt, la vision qu'il faut pour les affaires, c'est ça qui se passe ici. De quoi est-ce que tu parles? Où t'as vu qu'un grand chef révélait ses ingrédients secrets, pas vrai, Cervantes, hein? J'aurais préféré que Croce l'emporte. Hein? Le titre, c'est le titre. Quoi qu'il arrive, celui qui s'en sort le mieux dans le ring est celui qui gagne. Et là-bas, les classes sociales n'ont aucune importance. Est-ce que tu comprends? Dans le ring, on est tous égaux. Je suis d'accord avec Tabaco. On est plus proche, plus près de combattre pour ce titre, tu comprends? Et on peut pas perdre cette opportunité, donc célèbre, Cervantes, célèbre! Tu te souviens de ce que je t'ai dit ou pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais là? Mais ils n'ont pas déjà payé Antonio pour les combats? Oh, donne-moi ça. J'ai nettoyé votre robe et je vous demande pardon pour l'incident. Je te pose une question et tu ferais mieux de me répondre. Je suis une très bonne amie à eux, donc si tu veux travailler ici, tu ferais mieux de me le dire. Pourquoi? Ça vous gêne de me voir? Je pense que oui. Et je pense que la gêne est partagée. Écoutez, il vaut mieux qu'on en reste là. J'ai nettoyé votre robe, demandé pardon et je dois reprendre le travail maintenant. Et vous, vous devriez rejoindre votre nouveau compagnon, non? Ça te pose un problème? Non, du tout. C'est vous qui êtes tendue. Écoute, petite, j'apprécierai fortement la prochaine fois que... Tout va bien? Oui, oui, la servante finissait juste de sécher ma robe. Faites plus attention la prochaine fois. Oui, monsieur. Vous dites qu'il sortira en premier? Parce que le champion sort en dernier ou pas du tout? Vous savez qu'on suppose que quelque chose d'étrange est en train de se passer. Ce Alonso était différent depuis le début. Comment vous l'avez trouvé? Eh bien, laisse-moi te dire. Nicolas est sorti accompagné de la presse. Ouais. Mais Alonso est sorti avec le titre. C'est aussi simple. Ah, c'est le champion! C'est le champion! Champion! Bonsoir à tous. Je vous en remercierais si on pouvait être bref. Je dois laisser la place au nouveau champion. Ici, champion! Puisqu'on est entre amis, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai perdu, t'as pas vu? Ah, mais bon. Ouais. Champion, on a beaucoup parlé de ce combat entre Nicolas Roche et Fritzo. C'est pour ça que vous ne vouliez pas l'affronter, vous saviez que vous alliez perdre? Je vais te répondre comme tu le mérites. Merci, Nicolas. Toute l'année, j'ai reçu une tonne d'invitations. De boxeurs du monde entier. Des bons boxeurs, très bons. Qui voulaient me retirer le titre. Si j'avais pu, je les aurais tous affrontés, mais c'était pas possible. Ouais. Non, plus sérieusement. Bon. Écoute, ça fait plus de 7 ans que j'ai pas perdu un combat. C'est hors de question que tu me poses des questions bouffonnes avec ta tête de bouffon. Un peu de respect. Tous les gens qui sont là, ils m'aiment et me respectent, c'est pas vrai? Si, c'est vrai, champion. Merci. Champion, mais alors pourquoi vous avez perdu contre Alonso? Hein? À mon avis, il a pimenté ses gants. Non, je rigole. Il a eu de la chance, c'est tout. Champion! Merci beaucoup, champion! Alors? Tu as passé une bonne soirée? Très bonne. Ta maman est vraiment un amour. Dommage qu'elle soit si seule. C'est vrai. Elle finit toujours par employer n'importe qui, tant qu'elle a de la compagnie. Oui, comme par exemple celle qui a fait ça à ma robe. Si tu veux, tu me la donnes et je la fais laver.
Tu veux que je te donne ma robe? Waouh! Waouh! C'est ce qu'on m'a dit de plus original pour que je me déshabille. Ne m'en veux pas. Non, bien sûr que non. Mais il vaut mieux que tu saches qu'il faudra beaucoup plus qu'une petite tache sur ma robe pour que je l'enlève. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Ah bon? Oui. Demande juste ce que tu veux. Et si c'est à ma portée, je le ferai. Très bien. Dans ce cas, je vais te demander quelque chose. C'est quoi? De la patience, le temps de m'attendre. Parce que je ne suis pas le genre de femme à se déshabiller facilement. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est qui? C'est moi, mon amour. Ah, salut. Mon amour, tu vas bien? Ouais, bien. Ah, mon chéri, j'ai pas envie que tu te fâches contre moi, parce que je rentre aussi tard. On a dû ranger toute la maison avant de partir, tu comprends? T'inquiète pas, je suis pas fâché contre toi. Je suis en colère contre la vie, Carlina, contre le destin. Comment c'est possible que Calonzo combatte et gagne le titre alors que moi j'en suis là? Mon amour? Mais... en quoi est-ce mal? Je sais bien que tu veux encore affronter Nicolas. Mais au final, Alonso a gagné et tu dois t'en réjouir parce que c'est ton ami. Ouais, c'est vrai. Un ami qui sait mieux jouer les cartes que moi. Écoute, Alonso était le premier à partir du gymnase, à aller chercher le titre. Il s'est entraîné avec le meilleur. Maintenant, il est champion. Et il est meilleur que n'importe lequel d'entre nous au gymnase. Ah, écoute, mon amour. Viens là, mon chéri. N'exagère pas autant. Tu m'as dit toi-même que tu avais un bon entraîneur, mais que tu n'en profitais pas assez. Ouais, c'est vrai. À cause d'une migraine, j'ai pas pu avoir ma revanche pour le titre mondial. Bon, allez, ça suffit. Il y aura d'autres occasions. Ce qui importe, c'est de gagner le titre, peu importe à qui tu le prends. Tu crois? Mais bien sûr que oui, mon amour. Allez. Je sais que tu es un champion, je te connais. Oublie tout le mal qu'il y a eu et concentre-toi sur ce qui vient, d'accord? Toi, tu vas être un champion du monde. Ça, je le sais. Merci. Alors, c'était comment? Eh ben... je te l'ai déjà dit. Bien. Mais tu sais, je pense que... qu'il vaudrait mieux que je reste avec Jérôme. Je n'aime pas beaucoup le travail dans cette maison. Mais il te paie. Parce que s'il te paie, toi, tu restes. Moi, cette histoire de travailler sans qu'on puisse te payer, ça ne me plaît pas. Et encore moins maintenant que tu veux des meubles. C'est pas possible. Des conneries sur Roche. Ah là là, ils ont juste décrit Nicolas. Il faut que tu gardes la tête froide, mon gars. Tu sais, c'est toi le champion. Et en tant que champion, il faut que tu sois attentif à tout ce qui est écrit dans la presse, tu vois. C'était ça, la faiblesse de Roger. Tu vois, ses relations avec la presse, bonnes ou mauvaises. C'était ça, son talon d'Achille. Je compte seulement les secondes avant qu'on rentre à Panama. Vas-y, note ça. Je vais te donner la une pour que tu la publies en Colombie. Je crois que là, je commence à se faire sentir. Tu vas revenir plus intelligent. Tu commences à te rendre compte que tu es très chanceux. Bon, alors pourquoi perdre du temps? Et pourquoi vous ne venez pas directement à Bogota, mon frère? En fait... comment te dire tout ça? En fait, j'ai encore des problèmes économiques. Ne vous en faites pas pour ça. C'est nous qui commandons votre billet. Comme ça, quand vous serez à Caracas, tout sera réglé. Ah bon, vous êtes sûr? Dans ce cas, pas un mot de plus. Notez, notez. Voilà ce que ça dit. Alonso... Pimienta Frizzo, avec ses poings bouillants, a non seulement réussi à irriter le visage du champion, si ce n'est son génie. Vous avez noté? C'est parfait. Merci beaucoup. Salut. Aïe, 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 aïe. La confiance, c'est pareil, ou même plus dangereux que la peur. C'est à cause de ça que t'as perdu contre Roche. Et c'est maintenant que tu me dis ça, Tabaco? C'est pas vrai. Pourquoi c'est important de faire une analyse après un combat?
Après chaque combat, Antonio, tout ce qu'il reste, c'est réfléchir et apprendre. D'accord. Et tu crois que... que Alonso est meilleur que Roche? Antonio, ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce qu'Antonio est meilleur que Fritzo? Et la réponse est non, et tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la résistance d'un cheval, tu t'amuses dans le ring. Tu ne laisses pas ton adversaire t'atteindre. Je te le dis. Tu te débrouilles vraiment bien. Moi, je te le dis. Bien sûr, je te le dis. Bon alors, si tu t'étais concentré comme Nicolas Roche l'a fait, l'histoire aurait fini différemment. Donc pour ça, on doit aller là où personne ne va, Antonio. Tu dois te concentrer dans cette histoire et on va accélérer le rythme. Et tu veux m'emmener où? Antonio, j'ai besoin que tu sois ici, très concentré, sérieux. Parce qu'un gagnant a ça dans le sang. Ouais. Un champion du monde, il vit chaque combat comme si c'était le dernier. Il est intelligent dans et hors du ring. Ouais, ouais, ouais. Chaque minute compte, d'accord? Ouais. Et tu ne dois jamais laisser entrer la peur de la défaite. Jamais, 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 Antonio. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Tabaco. Bon, il commence à être tard. Comme je t'ai dit, on va monter la cadence, l'ami. La cadence de quoi? On va faire quoi? Tu verras bien. Je vais transpirer. C'est plus que ça, Antonio, c'est plus que ça. D'accord. Alors, Antonio ne veut pas que tu retournes chez Jérôme. C'est parce qu'il doit envoyer de l'argent à sa famille, donc il a besoin que j'aie un salaire. Dans ce cas, prends ça comme un signe. Si tu dois rester, alors reste. Et arrête de t'inquiéter avec ce qui s'est passé avec Aurora. Cette femme ne va pas venir ici tous les jours. Mais je ne veux pas retomber sur elle pendant une des soirées de la Signora Leonora. Et encore moins si je dois avoir le rôle de la bonne pendant qu'elle se pavane comme si elle était la femme du patron. Mais Carlina, tu ne vas pas non plus laisser tomber la Signora Leonora. Après tout ce qu'on a dû faire pour qu'elle finisse par nous engager. En plus, Carlina, si tu t'en vas, je vais rester ici toute seule. Carlo, tu sais, c'est pareil, tu seras tout aussi seule lorsque j'aurai accouché. Attends. C'est vrai, mais on a encore du temps avant ça. Écoute, Carly, ça n'arrivera plus ce qui s'est passé avec Aurora. En plus, rien ne nous prouve que ça va durer, elle et Seigneur Maximiliano. Hein? Et sois déjà contente d'avoir un travail. Tu vas pas être comme ça, à faire plaisir à cette dame en partant d'ici, hein? Allez, viens, on a des choses à faire dans la cuisine. Ok. C'est parti. J'ai besoin des cabines 1 et 2 pour ce soir. Et prévenez la technique que la cabine 3 va bientôt être prête. Aurora, il faut que je te parle. À propos d'eux? Renée est en voyage la semaine prochaine et j'ai besoin d'un créneau supplémentaire en cabine pour enregistrer la partition qui sera bientôt diffusée. Je vais regarder. Les créneaux... Non. Non, Célina, tout est pris. Comment ça? Même ceux de la nuit? Oui, eux aussi. Ça me fait de la peine pour toi, mais je ne vais pas pouvoir t'aider. Passe-moi le dossier pour voir s'il y a une place en fin de semaine. Je t'ai dit que non, tu me crois pas? Non, et je trouve que tu commences un peu trop à monter sur tes grands chevaux. Tu te prends pour qui pour m'empêcher de voir le dossier? Pour la coordinatrice de ce département. Et personne d'autre que moi ne peut voir ces dossiers. Tu fais ça pour te venger, pas vrai? Tu voulais faire tomber Farid et maintenant tu veux faire pareil avec moi? Oh mon Dieu, mais quand est-ce que tu vas comprendre que c'est Farid qui voulait me faire tomber? Ouvre les yeux, Célina. Et toi, ferme les cuisses, ma chérie. Arrête d'amadouer les hommes. Tu me dois le respect. Je vais te dire un truc. Le respect, ça se gagne. Mais si c'est la guerre que tu veux, tu vas avoir la guerre parce que je vais tout de suite parler à ton patron et même s'il couche avec toi. Il devra expliquer à Ronnie pourquoi on ne lui donne pas de cabine. Chaque coup doit être donné avec intelligence, pour que ton adversaire sente une rafale mortelle. D'abord, tu dois tenir ta garde. Tu ne dois jamais oublier ça. Deuxièmement, tu dois bouger dans le ring. Moins tu recevras de coups, plus tu auras de la force. Troisièmement, chaque coup a une stratégie. C'est la condition entre ton esprit et ton corps, viens voir. Essaie de me frapper. Tiens ta garde! Antonio de la force! Bonjour. Assieds-toi.
Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ronnie Molina est venu me dire que tu ne voulais pas trouver de créneau pour qu'il puisse préenregistrer son programme. C'est pas que je ne veux pas. C'est juste qu'il n'y a plus de cabine disponible. Et moi, j'ai les mains liées, Maximiliano. Écoute, les choses sont différentes avec Ronnie. Son programme a l'audience la plus élevée et s'il a besoin d'une cabine, il faut la lui donner. Très bien. Dans ce cas, tu vas m'aider à en trouver une. À qui on va faire l'immense plaisir d'annuler son émission pour contenter Monsieur Ronnie Molina ? Ne me parle pas comme ça, je suis ton chef. Tu veux être traité comme n'importe qui ici, alors fais ton boulot. Mais je te dis qu'il n'y a pas de cabine. Eh bien, trouve une solution. Je sais pas, moi, construis-en une s'il le faut. Je te demande juste de faire ton travail, c'est pour ça que t'es payé. Allez, vas-y. Carlina, tu as vu ma mère ? Non, elle est sortie. Je croyais qu'elle était avec vous. Oui, elle l'était, mais... En fait, je voulais juste être sûre qu'on était seuls parce que... Je voulais te dire une chose. En fait, aujourd'hui, tu es encore plus belle que tous les autres jours, Carly. Ça te dérange que je te dise ça, Carly ? Don Leandro, pour faire bref, je vous demande de ne pas me dire ça. J'ai un mari et... Et en plus, je suis enceinte. Enceinte ? Mais ça fait seulement 2 heures. Regardez. Ah non, mais ça c'est juste un ventre en pleine digestion. Pardon, Carly, pardon. Vraiment, je ne voulais pas dire Écoutez, ça, excuse-moi. Écoutez, moi j'ai mis les choses au clair, non ? Ne me vexez pas davantage. Mais en fait, Carlina, je ne veux pas te vexer. C'est juste que tu comprends un homme comme moi quand il voit une femme aussi belle que toi, eh bien, il perd le contrôle. Mais on pourrait être amis ? Ça ne va pas ? Si. Juste un peu fatiguée. Tu veux un petit massage ? Carlina, qu'est-ce que j'ai dit, ma chérie ? Tu veux de la limonade ? Non, merci. Ça va, c'est bon, je peux me servir toute seule. Non, tu restes tranquille, parce que quand c'est moi qui sers la limonade, elle est meilleure. Tiens, prends un peu de limonade. Voilà. Merci. J'ai besoin d'une faveur. Pourquoi tu ne demandes pas directement à Maximiliano ? Pardon ? Tu m'as entendu ? Ronnie a utilisé son influence pour avoir une cabine. Et maintenant, c'est à moi de réajuster tous les créneaux. Ronnie n'est pas le seul à utiliser son influence avec Maximiliano, pas vrai ? Célina, ça suffit. Avant que tu continues de me traiter comme ça, laisse-moi t'expliquer ce qu'il s'est passé. Maximiliano et moi, on est aussi proches, parce que c'est lui qui m'a sauvée quand Farid a essayé de me violer. Menteuse ! Maximiliano a tout vu. Va lui demander. Comme ça, tu te rendras compte de l'ordure que tu as à tes côtés. Mon Farid serait incapable de faire une chose pareille. Demande à Maximiliano. Et puis on verra qui a raison. Finir par t'épuiser, mon frère. T'es en feu, je te jure. Tu veux que je sois comment, sinon ? Hein ? C'est ça qu'on fait quand on veut le titre mondial. On s'entraîne. Bien sûr, faut s'entraîner. Le problème, c'est que tu t'entraînes pour rien. Parce qu'il y a déjà mon nom dessus, tu vois ? Antonio Cervantes Reyes Kid Pampe, le champion du monde de boxe. Pampele !